Jeudi 21 mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans un journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, situation, tension dans alentour palais national qui trouvait sous Chantvasta dans la capitale pays d'Haïti. Côté bandit armé, a essayé de garder comment ils sont capables de rentrer en dedans palais. Donc, dernier temps, ça qui c'est pigo cible nouvelle coalition gang ça qui c'est vivre ensemble cap tenter ouais comment yo capable affaiblir institution l'état yo. Eh bien yo t'ai déjà fait une première attaque sous palais national. Eh bien jeudi à dans moment n'a parlé à situation vraiment compliquée dans les palais national là dans les Chantmasta. C'est un pile coup de balle côté déjà gagné un pile monde qui victime en bas coup de balle la police avec bandi cap troqué coup de zamyo si la yo ki blessé yo obligé transporter yo dans l'hôpital en urgence gen si la tout qui t'a passé qui rend dernier soufio en bas coup de balle à tout fait dans la cour pays d'Haïti. Yo situation qui bay gros kè cassé dernier temps ça yo côté bandi améo pa suspendre taï banda yo dans divers racoins dans capitale pays d'Haïti pendant la police fait qu'on est eux même y a continuer mobiliser pour yo traquer et bandi sa yo qui pas suspendre bay problème si mais la troublai dans capitale là pendant yo fait qu'on est y a fait révolution. Et bien qui te di yo dans ça qui gen pour avec conseil présidentiel dans pays d'Haïti pour remplacer premier ministre Ariel Henry gagnent mesdames et messieurs retour inattendu parti politique petit Dessaline qui lui même décidé finalement pour voyer moun nan conseil présidentiel sept membres ça alors que leader parti a qui c'est Moïse Jean-Charles t'est déjà prend toute disposition pour yo même yo pas participer nan conseil présidentiel CARICOM là l'el te dit li voyer jeter nan poubelle décision CARICOM prend pour mettre yon conseil présidentiel sept membres nan tête pays d'Haïti qui t'a pral composé avec même moun qui t'est bon côté premier ministre Ariel Henry yo. Et ben Moïse Jean-Charles te dit yo pas fait bac, yo pas rentré dans aucun compromis qui pas gagné aspiration populaire à la dalle, yo t'ai décidé yo même yo pas participer. Et ben finalement nouvelle la pral tombé tant couillon bombe gagné Moïse Jean-Charles qui décidé voyer citoyen Emmanuel Saint-Évertilet qui c'est ancien juge instructeur li voyer pour la représenter parti politique petite Dessaline dans conseil présidentiel ça qui t'a dû installer souper malgré toute bagaille poko fine. OK, eh bien décision ça qui la cause en pile réaction dans pays a sous tout réseau yo moun a essayé commenter retour et Moïse Jean-Charles lui-même li fait l'el décidé changer position alors que nous connaît li t'a supporté un conseil présidentiel trois membres qui gen là dans Guy Philippe comme président magistrat Duret Junior ak madame et Françoise lui-même qui était supposé participer dans conseil présidentiel Moïse Jean-Charles t'a planifié pour installer pour capable remplacer premier ministre Ariel Henry. Eh bien gayen et parti politique Réveil National qui t'a pral bail position yo sous décision ça Moïse Jean-Charles li prend pour que li changer et de direction gayen Réveil National qui c'est parti politique Guy Philippe là qui dit yo prend quoi c'est vrai mais yo pas fait bac y a continué bataille pendant yo gagné yon objectif yo gon côté yo vle rive toutefois gagné Guy Philippe qui fait quoi yo même yo poko jam quoi nan sa kap di yo parce que yo quoi Moïse Jean-Charles son homme de conviction kap vin pote yon explication sou sa qui passé a pendant Moïse Jean-Charles te mette devant. Eh bien la ici qui te fait qu'on est mesdames et messieurs faut que petite Dessaline rentre dans sa cap fait là. Eh bien c'est une raison qui t'a pral fait Moïse Jean-Charles lui-même li rentre dans cadre et conseil présidentiel là. Il y a Guy Philippe qui fait qu'on est li par quoi la ici
ici, tapral, j'aime rentrer dans cause ça. D'ailleurs, li suivent tout tweet. Eh bien, représentant là ici, la Nations Unies en fait, li pa joine yon côté ou parler de situation pays d'Haïti et ou ta même exige et Moïse Jean-Charles pour rentrer dans conseil présidentiel là. Déclaration yon en pile dans la rue, en pile parler en pile sous dossier si là. Mais nous pral invité ou à suivre comment ça y est dans la coupe Port-au-Prince, précisément dans et Chadmas avec Haïtiens qui vivent en République Dominicaine avec Krisa, qui situation y a enduré, mesdames et messieurs. N'a invité au suivre sous VOA Creole, n'a tourné. Pays d'Haïti, Moïse Jean-Charles décide de voir dans CARICOM, yon représentant Petite Dessalines dans le cadre formation Conseil présidentiel transition, pendant que ambassadrice pays d'Haïti dans UNESCO, Dominique Dupuis, tourne représentant aidé. Magistrat New York Eric Adams et révérend Al Chapton lancé un appel pressant by Washington en faveur pays d'Haïti. Et puis dans l'international, la secrétaire d'État américain Anthony Blinken, après l'Égypte, a bien pour aller en Israël, côté l'a cherché un cessez-le-feu dans la guerre israélo-Hamas avec libération otage qui en bas mais militant Hamas. C'est pour ça yo, avec l'autre encore nous pour développer pour dans un petit moment merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous. Actualité concernant pays d'Haïti, composition collège présidentiel transition à prend forme, ça pour gagner yon note officielle ni bon côté CARICOM ni bon côté Premier ministre Ariel Henry. Cependant à partir de parti politique yo, formation politique yo ak alliance yo, nous gon idée de composition, hein? Composition conseil présidentiel transition, hein? Eh bien, d'abord, n'a dit que gagnait Edgar Leblanc fils, Edgar Leblanc fils qui représentait collectif 30 janvier, gagnait Leslie Voltaire qui représentait famille Lavalas, gagnait Fritz Alphonse Jean qui représentait Accor Montana, et puis Laurent Saint-Cyr représentant secteur Entreprisio, docteur Louis-Gérald Gilles, accord 21 décembre, ambassadrice UNESCO Dominique Dupuis, donc n'a capable Dominique Dupuis là, et puis, et dernier, c'est Emmanuel Vertilaire qui représentait Petite Dessalines. Et dernier choix ça, qui c'est choix et leader Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, provoqué en pile réaction dans mi-temps classe politique là, et parce que eh ben Moïse Jean-Charles t'a dit dans une conférence pour la presse dernièrement là que lui rejetait toute démarche que CARICOM pral fait. C'est comme ça que gagne en pile réaction. Nous pral rejoindre correspondant à Port-au-Prince Renan Toussaint. Au niveau de cette place, ça va passer là, comme ça, maman, ça va passer là. Ça passe là même. Ah. Oui, mais c'est pour moi-même, c'est vendre, moi je suis même capable. Vendre même, oui, à la caille. Pression, ça, j'ai 60 ans sous tête, mais c'est qu'à vivre de lui. Je ne vais pas vivre de pression, ça. Pour moi, quitter le mal la caille. Vous comprenez? Ok, merci, il a pas de mairie. Là, c'est force de l'audio qui a demandé tout le monde chan masque pour quitter chan masque à voile. Nous allons rejoindre Konya Rouda Toussaint Takoun te annoncé. Nous avons idée de tapter des bruits, coups de balle qui gagnent dans Port-au-Prince. Nous allons rejoindre Rouda Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Quelques problèmes techniques empêchaient que nous joignions Rouda Toussaint et nous allons rejoindre Toussaint Konya là.
national, yon conseil présidentiel transition, trois membres, ak ancien sénateur élu Grandens, Guy Philippe nan tête. Fito Lafleur, qui c'est leader parti politique, société optimiste, lutte pour l'union, transparence, intégrité ak organisation nation, solution, qui c'est tout coordonnateur général adjoint rivet national pour souveraineté d'Haïti, mandé ancien sénateur Moïse Jean-Charles, qui c'est leader parti politique en Petite Dessaline, explication Claire Coudeloup-Coque par rapport à décision le prend pour voyer représentant dans conseil présidentiel cette même. Sénateur Moïse, c'est président parti politique national et international, les Haïtiens qui vivent dans notre pays. Sénateur Moïse a défendu une révolution. Si je ne j'en dis un, il fait bac devant nation, devant population, devant international, devant tout le monde qui a fait politique, il doit explication à peuple. Et c'est pour raison ça, nous ne pouvons pas anticiper rien de lui-même pour nous dire rien, même quand la presse a parlé avec Moïse Jean-Charles et Moïse Jean-Charles a dit clairement qui ça le fait. Fito Lafleur lancé appel, reprise, mobilisation pour faire communauté internationale, notamment CARICOM, faire back sous installation cette même conseil présidentiel transition. Pas de rien qui a arrêté mobilisation. Et mobilisation, son mobilisation, moi dis nous, m'a répété encore, qui gagne 193 partis politiques qui sont dans la masse qui est avec nous. Qui gagne 4000 environ organisations sociales, une organisation sortie, un parti politique sorti, ça n'a pas dit nous rien, n'a avancé jusqu'à la victoire finale. Pendant ce temps, préparatif a fait pour capable installer conseil présidentiel cet maintenant dans palais national après que Petite Dessalines fin accepté voyez non maître Emmanuel Vertilaire comme représentant yo Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, c'est réaction qui sortit après que leader Petite Dessalines Moïse Jean-Charles lui-même lui prend en décision qu'on y a voyez yo représentant Petite Dessalines dans conseil transition conseil présidentiel transition et qu'on y a nous pour le rejoindre correspondant nous Massiado Vilme parce que capitale pays d'Haïti a Port-au-Prince toujours été tendu côté que grand pile coup de zame capturé Massiado dit nous côtoyer là qui j'en sais. Moi-même, moi, trouvé moi au niveau de Chanmas et que cela à quelques mètres de Palais National. Nous avons parlé ensemble voilà là depuis 2 heures dans l'après-midi. Bien, coup de balle, parti de chanter dans toutes directions, Palais National, soit au niveau de Bel Air, soit au niveau de rentrée sud capitale là. C'est coup de balle qui a chanté. Sauf que nous connaissons à qui intention, mais et la police lui-même, la police lui-même gagnait. Aja Udmoyo, genyen police qui affecté dans le commissariat fort, Prince yo même, y a gardé dans une mesure, yo capable de repousser et groupe civil armé qui a tenté envahir la capitale là. C'est comme ça la situation y est. Mon appel en ce moment, voilà, c'est chaque monde qui a essayé de rentrer la caillou, plus monde qui n'a pas périmètre par le national là, c'est policiers ensemble avec quelques concrets journalistes qui n'ont zone ça, avec quelques machines qui a gardé pour ouais, qui gens, yo capable de chercher direction la caillou avec monde qui était de prendre direction commune Carrefour qui pas qu'au cas de machine pour aller la caillou. C'est comme ça pas y est. Mais selon information que nous-mêmes, nous sommes capables de vérifier, nous allons faire connaître au niveau des Delmatou, gagner et groupe civil armé même tout qui a attaqué et bâtiment qui logé et Simo qui était unité en dans la police là marcheur rive jeune mais faut nous dire chaque militaire depuis 29 février a gagné un gros menace qui planait sous commissariat pour au prince ensemble avec sous palais national pour attaque jodien nous pas qu'à dire non qui intention que monsieur a fait attaque là mais sauf que nous qu'à dire c'est coup de balle qui a choqué dans tout direction au palais national le moment n'a pas lancé ma voilà là j'appelle Bolivia. Et Massado, est-ce que dans coup de balle ça a capturé, est-ce que gagné moun yo ta recensé qui victime ou bien moun qui t'a blessé ou bien moun qui t'a mouri ou bien et qui en sait est-ce que gagné incident sujet
femme Jacqueline Bélizier m'a été arrivé identifier un jeune garçon qui prend un cartouche dans pied ou gagner la police gagner un agent police qui t'a essayé bah les premiers soins pour être capable prendre direction l'hôpital mais des chers confrères yo même tout qui dit nous yo arrivé compter l'autre monde qui blessé tout et en bas football parce que c'est toute qualité balle on capable tendre dans mon appel là on va là c'est toute balle qui a sauté là c'est tout qualité balle qui a tiré dans mon moment là Jacques Belizier maintenant c'est remettre ma salle complètement déserté à part des quelques agents Ibmo ensemble avec police qui affecté dans sous commissariat et dans commissariat de Port-au-Prince qui a cherché pour ouais qui gens yo capable river repousser groupe civil armé surtout dans notre sud capitale là qui a avancé à grand pas sous commissariat de Port-au-Prince c'est pour ça situation après des Jacques Belizier. C'est comme ça la situation, c'est toute unité dans la police, là, même qui est obligé de mettre pied à terre pour voir qui gens sont capables de contrôler la situation, Jacques Bélizier. Merci Massado. Massado Vilmé, c'est correspondant service que là dans Port-au-Prince nous capable d'entendre des coups de balio capturés dans zone Chanmas tout près Palais National côté d'après ça Massado Vilmé dit nous et ben toute unité police nationale là qui yo même en action pour yo capable ou si yo ta capable reprendre contrôle totalement capitale là et puis devant violence ça yo dans région métropolitaine surtout et ben gouvernement qui décide lui-même prolonger couvre-feu a sauté 7h du soir pour arriver 6h du matin jusqu'à samedi. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Gouvernement haïtien étend couvre-feu dans le département l'Ouest qui est la donne capitale pays d'Haïti, Port-au-Prince, jusqu'à samedi de 7h dans l'après-midi pour arriver 6h du matin en raison de niveau violence qui est très élevé. Force l'audio, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui identifiés exemptés de Mézissa. Toute manifestation publique interdit la journée en cours la nuit dans le département l'Ouest. Agent police nationale, il a gagné pour responsabilité, fait appliquer couvre-feu et arrêter tout silaio qui pas respecté une façon pour établir l'ordre et reprendre contrôle situation. Depuis mois février que saute passé là, violence dans vinn pi grave dans pays d'Haïti notamment dans Port-au-Prince côté gang améo contrôlé à plus de 80%. Diverses attaques dans plusieurs quartiers pas suspendues répétées. Population en tête collée avec la police lancé une opération pour chasser bandits, ça qui aboutit pendant journée mercredi à la mort 4 bandits parmi eux chef gang Pétionville. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Yves Manuel devant situation ça qui très compliquée, très catastrophique dans le pays d'Haïti. Eh ben gain en pile mesure que République Dominicaine prend sous frontière li et il fait déportation massive et gain moun tout qui est haïtien qui en République Dominicaine qui eux même pas tant que pousser par la force mais eux même prend décision et y aller pour compte yo et nous gain envoyé spécial nous Jean-Robert Philippe lui même qui a fait un tour dans République Dominicaine qui rencontré tout avec des entrepreneurs haïtiens qui trouvaient au sous-sol dominicain qui eux même t'a préféré que yo fait business la caillou dans pays d'Haïti mais malheureusement situation pas prêtée à ça. Jean-Robert Philippe parlait avec entrepreneur haïtien ça. Pendant une visite nous t'ai fait dans Santiago de los Caballeros en République Dominicaine et bien nous t'ai rencontré avec quelques entrepreneurs haïtiens qui dit nous qui j'ai même il a vu situation politique là dans pays d'Haïti. Une d'un c'est Roberto Pierre-Paul, un entrepreneur qui a géré un restaurant lié la mangeaille. Pour lui-même, crise pays d'Haïti a ses résultats inégalités sociales et économiques qui existaient dans pays a. M'ta invité que tout membre CARICOM yo peut-être m'pa connait si ou parler avec moun pou parler yo. Peut-être yo pa connait réalité ça qui a passé en Haïti, yo pa connait vraie réalité a. Parce que grande réalité faut passer Haïti, faut descendre dans ghetto yo, faut passer Cité Soleil, faut passer Delma 2. Faut passer la saline, faut passer une série de côté pour comprendre. Ça qui éclate là, c'est pas jodi, c'est ali là. Son va ka boujonner la boujonner, mais bon tout bien. Haïti comba la donne, bien des fois tout so wea. C'est pas ça lié. Nous t'ai parlé avec deux frères jumeaux qui travaillent dans le secteur immobilier. Entendez, yon après l'autre, Leader Love Edouard Constant avec frère Leader Lee Edouard Constant. Et tous les deux, dis-nous, c'est avec tristesse qu'il y a vivre depuis la République Dominicaine, situation pays d'Haïti à traverser. La solution, c'est pas les mon apprendre décision. Ouais, ça me les là. Non, solution, c'est là comme si on sentit peuple à conscience. Pour jusqu'à présent, avec tout respect et franchise,
pour moi-même, peuple haïtien, pour qu'on conseille. Parce que à chaque fois, on mouvement politique, à chaque fois, on décision, ce n'est pas vraiment le peuple qui prend, c'est le monde qui prend décision pour lui. Même que nous, ces domaines-là, on a fait business. Mais à force que même si on n'a pas dit tête ou comme ça, on n'a pas de plan pour la Haïti, pour nous, non, mais il suffit pourtant de le faire, on s'en prison. Au moins, ça me dit là, c'est un bagage que, comme si, que m'taille, mais que n'importe mon cap garde, que nous pas dans m'taille, on commence à agir. N'importe parole, même si par exemple, ou t'as gagné 3-4 followers, même si pas gagné mon pile monde qui connaît, mais vous comptez pour chaque, vous comptez en pile, faut qu'on parle, faut qu'on écrit, faut qu'on dise un bagage, parce que n'importe ça ou dit, qu'a changé mentalité monde qui est dans l'entourage. Effectivement, j'en ce temps de là, les immigrants ont manifesté espoir que un jour ils sont capables de retourner en Haïti. Ils ont dit que l'argent qu'ils ont investi en République dominicaine, ils étaient capables d'investir tout dans le pays d'Haïti, mais ils ont posé une condition, que la condition de sécurité a amélioré. Depuis Santo Domingo, République dominicaine, Jean-Robert Philippe, Voix Creole. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe s'est envoyé service spécial en République dominicaine. Donc dossier Haïti à tout partout, notamment par exemple dans les Nations Unies côté Conseil de sécurité a lui-même lui réitéré bon gens soutiennent pour un processus politique que haïtien yo a dirigé et yo exhorté toute partie concernée yo dans pays d'Haïti pour continuer favoriser un consensus qui large en pile grâce à un dialogue qui permettait monde dehors qui entrait tout monde là-dedans notamment avec soutien CARICOM avec groupe intégré Nations Unies tankou BINI bureau en Haïti a n'a parlé bureau intégré Nations Unies et ben il de permettre organisation élection législative et présidentielle libre et équitable avec participation pleine et égale, significative pour toute femme avec jeune. Donc, yon l'autre fois encore, c'est l'Organisation mondiale, là, on a parlé de Nations Unies, qui lui-même réitéré soutien en faveur d'un processus dans le pays d'Haïti qui est capable de déboucher sous élection juste, honnête et démocratique. Et puis, dans New York même, toujours dans New York, magistrat à New York, là, Eric Adams, avec révérend Al Sharpton, yon lancé un appel pressant by Washington en faveur Haïti. Valérie Saint-Louis trouvait dans New York. Révérend Al Sharpton ak magistrat ville New York la Eric Adams te fait une conférence pour la presse accompagné avec quelques leaders religieux dans communauté haïtienne ak l'autre communauté dans New York pour mander les États-Unis pour faire plus d'efforts toujours pour aborder situation crise humanitaire en Haïti. Nous rassembler ensemble ak quelques gros leaders religieux dans communauté noire particulièrement dans communauté haïtienne avec l'autre communauté yo. Yo mettez tête ensemble pour faire face à crise humanitaire exorbitant ça qui continue en Haïti. Dans le moment que le monde a fait face à plusieurs autres crises dans le Moyen-Orient et dans l'Ukraine, dans l'hémisphère pas noir, il y a un règne latéré qui n'est pas adressé dans la façon dont nous sentons que le tas doit adresser. In the way that we feel it should be. Dans discours, Révérend Al Sharpton a abordé la question de trafic d'armes en Haïti ensemble avec le déploiement force MSS. Là. There is reports that gun trafficking from Florida is providing arms for the gang. Un rapport qui sorti qui montre que trafic d'armes a sorti dans l'état Floride pour y venir joindre gang. Et une proposition qui fait pour pays Kenya pour voyer 1000 militaires en Haïti pour aider à stabiliser situation. Il y a quelques républicains qui bloquaient financement proposition ça. Le comité affaires étrangères congrès. L'agence ça a dû débloquer immédiatement. C'est comme ça Al Sharpton t'est parlé. N'a rappelé que dans commencement mois ça, gang armé qui vient augmenter pouvoir dans dernière année ça yo, t'est profité absence premier ministre Ariel Henry pour faire plusieurs lance attaque infrastructure qui la donne commissariat la police avec bureau gouvernement yo. En bas pression internationale, Ariel Henry était bloqué dans Porto Rico. Li pa ko ka retourner en Haïti et Ariel Henry qui pat élu t'est annoncé démission li en attendant nomination du conseil présidentiel et remplacement li par un autre premier ministre provisoire. Mais conseil présidentiel là presque fin nommé. On sa tout présence internationale en Haïti baissé pendant que insécurité a monté. Bon côté pas le magistrat Eric Adams t'est parlé pour dire conflit cap tanmen en Haïti a, c'est un gros problème tout pour ville New York là. This is very much a New York issue, and it is an issue for the entire national government because ça c'est un gros problème tout pour New York et puis c'est un problème pour tout gouvernement national là parce que ça c'est hémisphère pas noir. L'important en pile que nous fait face à problème ça dans Gaza et fait face à problème dans Ukraine avec tout quelques autres guerres qui a fait sous scène mondiale noire. Mais ça c'est dans la cour noire, c'est dans la cour noire ça passé et en pile dans résident Haïti yo sorti dans ville New York, Miami à l'autre côté dans Amérique là. Et l'impératif pour nous gagner une réponse immédiate à la crise.
Nations Unies avec ambassade américaine et canadienne ont déjà retiré employé en Haïti mois ça. Pendant week-end, la République dominicaine qui partage les îles espagnoles avec Haïti a évacué plusieurs douzaines de citoyens liés par hélicoptère. N'a rappelé tout que environ 17 000 moun ont quitté zone métropolitaine Port-au-Prince la semaine passée. Après estimation Nations Unies, en pile n'ont déjà déplacé. Pays voisins ont été obligés de renforcer frontières et plan pour une intervention internationale que le gouvernement Haïti a demandé dans l'année 2022 que Nations Unies a ratifié ça gagne presque 6 mois jusqu'à présent gain retard la donne. Révérend Al Sharpton a dit que pral monte dans Maison Blanche pour parler avec quelques responsables sous situation pays d'Haïti. Dans parmi les leaders communautés haïtiennes qui ont participé dans la conférence pour la presse, nous avons remarqué présence pasteur Leslie Thomas, avec tout présence docteur révérend pasteur Sam Nicolas de Evangelical Crusade Christian Church qui est dans Brooklyn. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Nous avons quitté New York et nous parlons dans Nairobi, donc dans le pays Kenya, pour nous capables de gagner une idée sur qui gens population pays Kenya avec autorité autour, qui gens ouais question force qui gagne pour déployer dans le pays d'Haïti. Sandra Lemaire, gagne détail. Citoyen Nairobi très passionné par rapport à possibilité pour Kenya d'envoyer policiers en Haïti. Why are you sending police instead of pour qui n'envoyer la police ou le militaire pour un bagage comme ça? C'est question Pam. That's my question. That's nothing. Ça pas fait rien parce que n'a pas dit moun nou remè. Kenya a pas de pouvoir tant qu'au pays tant qu'aux États-Unis. I think that's a noble idea. Nous quoi c'est une idée nous parce que nous tous ces chrétiens vivants, mais nous n'a plaigné pour processus là. Nous devons encourager le gouvernement au moins respecter décision tribunal là. Président William Ruto qui signe un accord bilatéral nous attend depuis longtemps à Premier ministre haïtien Ariel Henry pour paver chemin pour déploiement 1000 policiers kenyans insister il prend bon décision force là que l'ONU appuyé t'a aidé Haïti rétablir sécurité. It is a mission. C'est une mission pour l'humanité. C'est une mission en solidarité avec frères et sœurs en Haïti. Cependant, après signature à Koa, il y a eu un gros affrontement entre la police nationale Haïti et la gang qui a empêché Henry de retourner dans le pays. Ils ont éventuellement poussé deux premiers ministres là pour le bail démission aussitôt que le conseil transition présidentielle là va en place. Avocat Ekuru Okote, c'est même groupe qui déposait une pétition devant Cour supérieure Kenya pour dire déploiement policier yo pas constitutionnel. First of all, it's a bogus agreement. Premièrement, c'est un faux accord parce que les pas gain aucune légitimité légale ni représentation. Pour Ariel Henry signer un contrat, faut qu'il ait capacité pour signer un contrat. Gen l'autre problème tout par rapport à ces missions pral capable avancer à cause toute demande légale qui pour qu'on fin satisfait. When Jovenel Moïse was killed in July, le Jovenel Moïse était mort en 2021. Henry était supposé diriger pays pendant 120 jours. Pour le prendre rôle premier ministre là d'après constitution Haïti, faut qu'il t'a ratifié, vérifié et puis recevoir approbation parlement. Ça pas de jambe fait. Donc question c'est qui est-ce qui signe un contrat en réalité avec République Kenya? Consultant sur sécurité George Musamali dit faut Kenya repenser question Haïti. Ça moun pas comprendre ces raisons pour turbulence là. Songez nous t'ai commencé parler de problèmes en Haïti en 1805 après déclaration indépendance yo. Jusqu'à présent Haïti pour que jam gen la paix et puis solution a proposé yo. Est-ce que yo ba résultat? So basically the solutions that we've been putting on the table, are they working? Qu'il y a plusieurs interventions étrangères que les États-Unis et l'ONU font qui n'ont pas de bons résultats. L'île pour essayer un bagage nouveau, monsieur dit. What they were going to do is to deal with the same people we call gangs. En général, ça y a PC fait c'est négocier avec même mouniorer les gangs que intervention américaine 1815 t'ai essayé sans résultat. Nous essayons encore en 1994, ça pas marché. Nous essayons encore en bas l'ONU en 2004, ça pas marché non plus tout. Dans le moment côté Zak violence gang a créé une situation chaotique en Haïti, Musumali dit il est difficile pour eux qui gens ont intervention militaire ou policière pour le bail résultat. Reportage Mariama Diallo, Nairobi, Kenya. Traduction Sandra Lemaire, VOA Creole.
Et puis, dans l'actualité internationale, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a fait un voyage, sixième voyage dans la région Moyen-Orient. Il est déjà passé en Arabie Saoudite, jeudi il était en Égypte et demain en Israël, avec deux objectifs précis, joindre cesser le feu et puis deuxièmement, joindre libération otage qui nommait les militants Hamasio non Palestine et qu'on y a nous pral dans le département nord pays à côté n'a pas rejoindre Gérard Maxino qui a parlé nous de Bahamas qui refoulé un paquet de monde qui t'a essayé entrer illégalement dans Bahamas mais dans conditions très difficiles en allouant ça. Malgré la trouble qui gagne dans le pays d'Haïti, garde-côte bahaméen voit retourner mercredi 20 mars 2024 là, un total 264 compatriotes qui ont été kembé sous la mer. Rapatrié expliqué, yo té baqué pas de paix. Semaine qui s'est passée. Alors, nous sommes sortis sur le port de Paix, nous sommes embarqués dans des bottes. Nous sommes environ 42 000, nous sommes embarqués dans des bottes. Pendant que nous sommes arrivés dans le Bahamas, et c'est comme ça. Et l'immigration est arrivée, qui est venue, est arrivée pour nous. Et le ça, il est rentré avec nous. Et c'est là que nous avons passé quelques temps. Et bien, après ça, j'ai été obligé de faire nous prendre l'avion. Personnellement, je prends l'avion. L'avion pas monté de 16 mois. Et puis, on est allé dans une zone qui nous a été en voie. Puis, il faut déclarer ces situations malouques que les paysans trouvent là-dedans, là, qui fait qu'ils risquent de vivre dans la mer. Ah bon, je vais dire que c'est la sécurité, ne pas faire du travail. Vous travaillez aux jeunes garçons, les petits, les gens qui vont faire des activités. Je vais vous travailler. Presque tout rapatrié dénoncé mauvais traitement yo sibi nan men autorité Bahamas yo à ta même femme yo t'arrivé violé pendant yo t'était en prison. Dès nous rivé qui est ce moun k'ap maltraiter nous ban nous calotte coup de pied frapper nous à terre. Bon, gen même 10 moun nous pas jamais moi pour qu'on y a. On va nous en pile coup, on crase nous en pile, on est fini tout. Nous nous maltraiter. Nous nous tellement maltraiter, nous nous faisons tout ça pour nous faire. Nous nous dormir, après venir, nous va nous coup. Nous frapper nous dans tout côté, lever nous frapper à terre. Nous pas bien dormir, nous mettez nous dormir à terre, sans nous pas gagner tabac, nous nous dormir. Nous mettez nous dormir sur mon pied pour là. Si Pifon rapatrié au dit, yo pas pour faire expérience ça encore gen ça qui poser tête yo question ça yo pral faire nan pays d'Haïti mon ka fin tout kaval et sofi tout mon ka assez là ou pas grand yon pa bénéficier la kayou ou parti ki te kayou rien movi nou pa rien. Chaque rapatrié recevoir yon enveloppe nan men OIM pour capable tourner la kayou moun de capable make plusieurs proches rapatriés yo qui devine chercher yo nan base garde côte au Cap là. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Et puis qu'on y a actualité à mener dans le pays Brésil, côté ancien président Jair Bolsonaro qui a un problème avec la justice, mais il était très populaire dans le pays Brésil, Serge Rodriguez. Ancien président brésilien Jair Bolsonaro a marché Jean Vlé et Jean Pipito dans le Brésil, malgré l'autorité dans la nation plus peuplée Amérique du Sud-là, suspecte comme quoi l'État a mis trempé dans un projet coup d'État. Bien que l'ancien président a bas gros menace, il n'y a pas d'apparence un politicien qui paraît pour le bas. Pour bien dire, l'autorité brésilienne, bien capable d'inculper champion zèle extrême droite 69 ans, ou bien poser arrestation li n'importe qui l'est. Plusieurs anciens chefs dans l'armée brésilienne baillent des positions qui longent droite sur M. Bolsonaro, comme quoi l'État impliqué dans un complot pour qu'il y ait pouvoir après défaite de l'élection 2022, élection qui était mise face pour face à candidat gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva. M. Bolsonaro rejeté l'accusation sérieux catégoriquement, accusation l'y considérée comme une persécution politique. Bien entendu, le Brésil a paré pour organiser l'élection municipale avant longtemps et drôle de coïncidence, c'est seulement 3 points qui séparent avec le président en fonction Lula da Silva. En tout cas, ancien capitaine de l'armée 69 ans a toujours été un symbole pour citoyens qui sentit que l'élite politique l'a pas représenté, d'après analyse politique Mayra Goulard. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington.
Merci Serge Rodriguez, nous pratiquement arrivés dans fin programme là. C'était un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir et nous excusez nous pour quelques problèmes techniques qui étaient gain dans commencement programme là et c'est les aléas du direct que on dit en français. Donc c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Gagner organisation mondiale là, on a parlé de Nations Unies l'autre fois encore qui prend position par rapport à crise qu'a traversé pays d'Haïti et l'y encourager pour ta gain un processus politique qui largement large que haïtien eux-mêmes t'a prend tête li et yo mandé pour haïtien collaborer avec CARICOM communauté caribéenne pour yo capable une solution qui ca déboucher sous élection honnête et démocratique dans pays d'Haïti avec intégration femme intégration jeune. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, n'a pas rendez-vous demain sous VOA créole pour l'autre programme encore. Merci pour attention nous. Merci, moi c'est Jacques Belizère.